Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo un petit peu différente. J'ai eu l'idée il y a quelques jours à ce sujet. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça pouvait aussi peut-être vous apprendre certaines choses au niveau de la manipulation. Alors, il faut savoir que j'ai fait l'hypnose pendant des années, en théorie et en pratique. Et donc, pendant cette formation que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appréciée, j'ai appris la façon de manipuler l'esprit humain, évidemment dans un but positif, bienveillant, thérapeutique. Ces techniques de manipulation sont extrêmement puissantes et fonctionnent. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que depuis quelques années, eh bien, j'ai pris conscience qu'on était manipulé, notamment avec ce qui est arrivé en 2020, mais pas que. Et plus le temps avance et plus je vois que les techniques de manipulation s'accentuent, se renforcent et conduisent vraiment la population vers certaines directions, je dis certaines au pluriel. Et je pense aussi que les gens n'en ont pas conscience. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Peut-être que celle-ci vous permettra de détecter les techniques de manip, on va dire ça comme ça, afin que vous puissiez conserver votre esprit critique et votre capacité de juger et de voir la réalité. Alors, parmi les techniques de manipulation, puis je vous rassure, on fera aussi des petits tirages, parce que les tirages, comme vous le savez, ce sont des supports pour l'intuition. L'intuition qu'on a tous et toutes, et qui est juste, encore une fois, quelque chose que l'on peut développer et qui permet de savoir un petit peu ce qui nous attend ou pas. Enfin bref. Donc la première technique que j'avais apprise, c'est un peu la technique du magicien. C'est-à-dire qu'on dirige l'attention vers certains endroits, on va dire, certaines parties. Alors, quand vous avez un magicien, eh bien, il fait des grands gestes avec le chapeau, enfin, que sais-je. Enfin, vous connaissez tous et toutes les spectacles de magiciens. Hein. C'est des foulards, des choses avec des couleurs, etc. Donc, tout le monde, en fait, a les yeux qui sont focalisés sur les mouvements. Et puis, en fait, il y a d'autres mouvements qui sont invisibles aux yeux humains, qui, parce qu'ils sont très rapides, qui, en fait, permettent de faire vraiment le truc du magicien qui va permettre l'effet escompté. Bref, donc je me suis aperçue que c'était quelque chose qui était utilisé par nos chers dirigeants, c'est-à-dire que on focalise la lumière vers un certain endroit de la scène, on va dire, mais la réalité se passe dans l'ombre. Bon. Alors tout ça, pourquoi? Bah, parce que justement, les vraies choses qui sont vraiment importantes ne sont pas visibles. Et ça va être la raison de mon premier tirage, ou plutôt le but de mon premier tirage. Déjà, on va commencer par le début. Sur quoi focalise-t-on notre attention là actuellement? Alors vous allez me dire, il y a plein de choses, mais enfin bon, on va rester sur la France, on va pas s'éparpiller dans le monde. Sur quoi actuellement focalise-t-on notre attention? Donc je vais prendre quoi? Bah, je vais prendre le Béline, tiens. Et puis j'ai un nouveau jeu. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Oh là là, excusez-moi, je suis pas bien préparée. Je vous retrouverai ça. Ben, il n'y a rien de marqué sur les cartes non plus, hein, faut dire. Bon. En tout cas, j'ai craqué pour ces cartes. Je vous les présenterai après. Hein. D'accord, j'irai chercher l'emballage. En tout cas, ce sont des mots. Alors, ce sont des mots qui sont en anglais. Espérons que je ne me plante pas, hein, avec les traductions. Et donc, ça va aussi me permettre, avec ce jeu, de voir sur quoi, eh bien, on veut attirer notre attention, donc actuellement en France, là, maintenant. Alors, sur quoi attire-t-on notre attention de façon délibérée, hein, vous avez compris. Alors, oups, il y a une carte qui a sauté du jeu, donc la maison, ok. Donc, je ferai un petit peu des tirages dans ce sens-là, hein, si vous direz si ça vous intéresse. Hein. Mais autant vous faire partager mes connaissances. Hein. En tout cas, je peux vous dire que ça permet d'ouvrir une vision, enfin une autre vision des choses, si je puis dire ainsi. Ça permet de prendre conscience de plein de choses quand les autres personnes continuent de dormir. Enfin bon.
Alors, sur quoi attire-t-on notre attention là actuellement, là en ce moment? On va quand même prendre la coupe. Alors, les plaisirs et les entreprises. Les plaisirs et les entreprises qui procurent des plaisirs, du plaisir. Bon. Ok, pour l'instant, ça ne me dit rien. Sur quoi dirige-t-on notre attention? Alors, principalement, on va dire. Les histoires de nourriture, les histoires. Ouais, effectivement, de nourriture. On dirige notre attention vers les histoires de nourriture. Bon. Alors, la coupe me fait penser que entreprise, plaisir, plaisir, entreprise, c'est aussi. On nous focalise aussi. Alors, c'est une interprétation comme une autre. Mais sur les choses qui nous font plaisir. Donc, on est en train aussi d'accentuer tout ce qui est notion de plaisir. Hein, vous avez vraiment la carte du plaisir. Alors moi, je ne regarde pas les publicités, hein. Je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas exactement en ce moment s'il y a une campagne de quelque chose. Mais en tout cas, on peut dire que là, maintenant, il va y avoir une accentuation d'une campagne pour justement flatter tout ce qui est se faire plaisir ou avoir du plaisir. Bon, ok. En tout cas, ici, on a les questions de table. Donc, on dirige notre attention vers les questions de nourriture et pourquoi pas de liquide. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une autre carte pour. Oui, pour m'aider. Ben oui, ben il m'a répondu, hein. Donc, on dirige effectivement actuellement les questions, donc notre attention, pardon, vers les questions de nourriture en nous disant qu'on va en manquer. Et dedans, j'inclus aussi l'eau. Alors, je sais bien qu'il y a une carte avec l'eau, mais bon, la table, il y a quand même une coupe. Donc, pour moi, je vois les questions de nourriture et aussi de boisson. Donc là, on dirige notre attention sur un manque ou quelque chose qui peut s'écrouler. Bon, première partie, éventuellement peut-être d'une problématique. Mais qu'est-ce finalement, qu'est-ce qu'on nous cache? Et là, j'ai demandé à mon Dixit. On pourra demander aux Bélines aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous cache derrière cette problématique ou vers quoi veut-on nous pousser? Hein, parce que c'est ça la manip. Hein. On vous dit quelque chose qui va vous, on va vous suggérer quelque chose. Donc là, on vous suggère ou on nous suggère qu'il y a un problème d'alimentation, de nourriture et d'eau. Mais c'est pour quoi faire. En gros, c'est ça. Hein. Quel est le but de tout ça? Alors, je reprendrai aussi le Béline parce qu'il faut rester cohérent. Donc, je vais laisser mon Dixit là. De toute façon, il est mélangé. Mais on va continuer avec le Béline, voir si, puisqu'il est dans des bonnes dispositions. Alors, donc là, on a compris. Et c'est dans quel but? Alors, on va essayer de voir dans quelle intention, dans quel but. Alors, dans le but de mettre à l'honneur quelque chose, mais également des problèmes dans la population. Vous voyez ici les tensions. Les tensions à l'honneur, hein, éventuellement, pourquoi pas? Les tensions à l'honneur. Donc, on nous bassine, on va dire, quelque part, ou on va le faire, avec les histoires de problèmes d'eau ou d'alimentation. Mais c'est aussi le but éventuellement, c'est pour que voilà, on se dispute entre nous avec les honneurs. Donc et les choses vraiment qui augmentent, si vous voulez, les honneurs, c'est les choses dont on va beaucoup parler. Normalement, c'est une belle carte, mais enfin, dans ce contexte-là, pas vraiment. Donc pour augmenter éventuellement les problèmes, en plus on a le coq, hein, donc c'est la France, les problèmes entre les gens qui risquent de se disputer. Alors disputer pourquoi? Pour les questions de nourriture. On va continuer un petit peu l'histoire. Et pour nous apporter des contraintes. Écoutez, c'est sorti comme c'est sorti. Oh, voilà une belle manipulation. Que peut nous dire, pardon, le Dixit? Que peut nous dire le Dixit par rapport à donc cette manipulation, hein, on va manquer de ceci, on va manquer de cela, il n'y a pas assez d'eux. Donc, dispute, stress, agressivité qui augmente. Et despotisme. Que peut nous dire le Dixit à ce niveau-là? Alors, c'est amusant parce que j'avais dit justement
que le magicien faisait en sorte que l'attention soit focalisée sur un endroit très précis qu'il a lui-même déterminé, hein, que ce soit le mouchoir qui tire de son chapeau ou la petite baguette qui tape sur le chapeau, enfin j'en sais rien, hein, prenez ce que vous voudrez comme exemple. Et au même moment, eh bien, avec d'autres mouvements très furtifs, très rapides, il prépare le truc qui va provoquer l'effet escompté. Et bien là, regardez, on a toutes les personnes qui ont l'attention dirigée, en plus ils sont sur scène, hein, qui ont l'attention dirigée vers un endroit très précis. Et ici, eh bien, la carte nous dit, il faut aller chercher ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, quelque chose qui va nous apporter vraiment la révélation de quelque chose. Et vous remarquez que la personne sur la carte, elle a les pieds nus, elle a pris son petit baluchon. Donc il y a vraiment une idée aussi de pauvreté ou de pénurie. Donc on est un peu dans le thème, hein. Donc là, certaines catégories de personnes, enfin la majorité des personnes, ont donc leur attention dirigée vers quelque chose. Et finalement, il y a une personne, c'est aussi important, hein. Ici on a le nombre, là on a une seule personne qui s'est arrêtée, qui a fait une pause. C'est pendant la nuit, donc c'est mystérieux, c'est secret, et là elle a la révélation de quelque chose. Alors justement, qu'est-ce qui se cache en fait? Qu'est-ce qui va être révélé? Toujours le même, hein? Toujours le même, hein? C'est notre cher roi de clé, comme on l'appelle ici, qui est derrière aussi cette manip. Bon, donc c'est bien voulu. Alors, on est parti sur les questions de nourriture et d'eau. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on nous fait donc, on fait nous prêter cette attention donc aux questions de nourriture et d'eau? Alors justement, là, ici, on a encore l'eau et on a encore la nécessité d'aller chercher les réponses dans des livres, pourquoi pas, dans la vraie culture, la vraie connaissance. Alors pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Alors là, on a une peur où on fuit quelque chose. Donc pour fuir quelque chose, pour nous faire peur. Dans quel but? Ah bah tiens, ça sort comme ça sort. Pour instaurer un contrôle. Bon. On a, intéressant, parce qu'on a une réponse à une question. Je ne pensais pas du tout que j'allais sortir ces cartes-là. Mais quelque part, c'est pas faux, je dirais, c'est pas faux. Puisqu'on a bien ici le despotisme, donc ben, on est dans une situation de contrainte, hein, on est obligé d'obéir, ce qui pourrait très bien aller avec cette carte-là. D'ailleurs, j'ai entendu dire que justement le roi de clé, hein, eh bien, avait décidé de former beaucoup plus de personnes de la police. Hein. Bon, j'ai entendu ça comme ça, ok? Donc, on va bien avoir davantage, effectivement, de contrôle, de répression, de diktat. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait ces gens-là? Eh bien, parce que, pardon, parce qu'on risque d'avoir, effectivement, un problème dans la population. Les gens risquent de se battre ou d'être stressés pour des questions de nourriture dont on nous aura fait croire qu'il y a un manque ou un problème ou une destruction. Ça, c'est la première chose. Donc tout le monde regarde vers, on nous bassine avec effectivement les questions de on est trop nombreux sur Terre, etc., etc. Donc on nous fait peur, hein. Il y a de ça. Ça serait bien si c'était lui qui partait, mais bon, peut-être, hein, d'ailleurs, hein. Peut-être. Mais il y a aussi quand même la notion ici de faire peur et de fuir quelque chose. Alors, on va demander à notre nouveau jeu, dont j'ai plus le nom. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait, justement, qu'il y a de la manip concernant les questions de nourriture, puisque c'est bien ce que j'ai sorti en première carte. Et c'est vrai que vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on va en parler de plus en plus de ça. Alors, on va poser la question, à quoi est-ce que cela doit-il aboutir? Alors, la maison, et quand on se prend la tête. Hein, overthinking, c'est vraiment quand on réfléchit, mais de façon trop poussée.
Donc de façon trop poussée. Donc on force les gens finalement à prendre une certaine direction de pensée, également par rapport à leur foyer. Là, c'est la table de la salle à manger en plus, hein. Donc pourquoi pas? On pourrait être encore dans le thème de la question de nourriture. Pourquoi pas? Oui. D'accord. Donc on force les gens effectivement à se prendre la tête avec les questions de nourriture. On peut dire ça comme ça. J'interprète mes cartes. Alors ici, ça va conduire à de la solitude. Loneliness, ça veut dire que ça va conduire ici, non pas à créer une solidarité, ce qui est ce dont on manque toujours cruellement, n'est-ce pas? Mais à créer finalement toujours une division, donc de la solitude. Quand on est divisé, on est seul. Et on se sent seul. Et quoi d'autre? Et abandonné. Donc, à créer un sentiment de solitude et d'abandon. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Enfin, quoique le jeu était quand même assez clair, hein. On va demander, est-ce qu'on va vraiment, vraiment avoir un problème de nourriture? On peut poser la question comme ça aussi, pourquoi pas? Alors, on va nous attraper, nous emprisonner. Alors, trapped, c'est vraiment quand on est, vous voyez, pris au piège. Bon. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui se prépare. Le jeu est puissant, hein, franchement. Je vous dirai ce que c'est après. Le jeu est vraiment très puissant. Il est en train de nous donner vraiment une première information par rapport à une grosse manip qui est en train de se mettre en route. Lentement, mais sûrement. Vous l'avez vu, hein, il y a déjà des mois, je vous avais dit attention, l'eau, etc. Oui. Mais c'est aussi provoqué. Et dans mon tirage que j'avais fait justement à ce sujet, je vous avais dit qu'il allait y avoir un affaiblissement de l'eau, enfin une diminution de l'eau, mais que c'était à la suite de contrats qui avaient été faits par celui-là. Vous pourrez aller re-regarder, c'était sorti, comme je vous le dis, hein, et c'était juste avant que ça arrive. Donc c'est voulu. Alors il s'agissait de l'eau, mais pour la nourriture, ce sera pareil. On y viendra. On va y venir. D'une façon ou d'une autre, on va y venir. On pourrait essayer de voir d'ailleurs comment. Mais en tout cas, c'est bien pour créer du feu, donc des disputes, des bagarres, du stress, de la colère dans la population, qui va donc finalement se trouver divisée de ce fait, et seule, et abandonnée. Et du coup, eh bien, les gens vont se trouver pris au piège. Alors, de quelle façon est-ce qu'il va essayer de mettre ça en route? Bon, pour l'eau, on a déjà compris, hein, c'est déjà en train de se faire. Pour la nourriture, pas encore. Donc, on va demander toujours Dixit. Je ne sais plus si c'est ce paquet-là que j'avais pris. De quelle façon est-ce que ils veulent justement nous restreindre au niveau de la nourriture? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se mettre en route. Alors, je ne vais pas regarder la coupe, si? Non, ouais, non, je ne vais pas regarder. Allez, hop. J'ai regardé quand même, mais j'en tiens pas compte. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont justement nous restreindre au niveau de la nourriture? Parce que ça arrive. Mais si je vous donne l'information, si j'arrive en tout cas à avoir l'information, eh bien, vous serez prévenu. Alors, décidément, ça sort de nouveau, hein. Je ne fais pas exprès, hein. Là, on retrouve en fait la même carte ici, hein, c'est la même chose. On a les chaînes, effectivement, on est relié. Mais là, dans cette carte-là, ça va encore plus loin parce qu'il y a éventuellement des questions de solidarité. Donc, on est tous enchaînés, mais on a l'impression que quelque part, c'est pour la bonne cause. Hein? Les expressions des personnages sont très parlantes, hein. Il y en a un qui met la main sur l'épaule de l'autre. Et là, celui-ci, il a mis les deux mains sur l'épaule de celui-ci qui n'est pas content. Donc en fait, on s'enchaîne les uns aux autres, mais finalement, on a les yeux fermés et on accepte. Alors qu'il y en a un là qui n'est pas content. Donc il y a quelque part une soumission qui va se faire, mais une soumission qui peut être complètement aveugle. Vous voyez ici, le personnage, il baisse la tête, et là, c'est de là aussi un petit peu. Il n'y a que celui-ci qui n'est pas content. Bref, je continue dans mon explication des cartes. Alors, là, on a le résultat final. Le fait aussi qu'on va se retrouver piégé. Mais de quelle façon est-ce qu'ils vont amener ça?
Là, ça fait penser à la Révolution française, vous savez, quand on disait, mais c'est vraiment ça en plus. Il n'y a plus de pain, donc qu'il mange de la brioche. Ben, ça me fait penser à ça en fait, hein. Marie-Antoinette. C'est marrant, c'est que cette carte-là ressorte. Bon, c'est aussi l'oligarchie. Il y a des choses qui vont effectivement être déstabilisées très fortement. Bon, il va y avoir un chaos qui va être libéré. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont nous embêter avec la nourriture? Ça va être par la libération, très certainement, de catastrophes naturelles. Alors, on a une oligarchie qui ne fera rien, d'où la Marie-Antoinette qui dit, oups, qu'il mange de la brioche, hein, vous vous souvenez, hein? Bon, enfin bref. Donc, ça, en fait, ça va être une déconnexion de la réalité et puis aussi une action qui va amener à rien, une passivité, une non-action de la part du gouvernement que vous savez, par rapport donc à des problèmes de nourriture qui vont être mis en place par le biais, certainement, ici, de catastrophes climatiques. Vous avez ici la Terre qui est mise sous globe et vous avez ici une espèce d'ouragan. Et vous voyez ici, éventuellement, j'avais parlé de déstabilisation, mais pourquoi pas, ça peut être aussi les inondations. Donc ça veut dire que pour créer un problème de nourriture, et j'espère que je me fais bien comprendre, eh bien, il va y avoir très certainement la mise en place de catastrophes naturelles. Et je peux vous dire également que je le vois en astrologie, pareil, hein, vous savez que je suis quand même astrologue, que je peux voir à long terme. Et oui, il y a des problèmes qui sont déjà là, visibles, et qui vont s'accentuer. Alors, tremblement de terre, problème avec l'eau, j'en avais parlé, inondation, pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. Enfin bref, toutes les catastrophes climatiques, alors naturelles, mais pas que ça, enfin, pas que naturelles, pardon, puisque vous savez qu'on a certaines techniques ignorées par la majorité de la population, donc des techniques mili plus lointaines, qui font qu'on peut agir effectivement sur le climat. Bref. Donc ça va être par ce biais-là. Bah écoutez, voilà. Déjà pas mal, non? Petit tirage éclair, je vais vous en faire un autre. En tout cas, vous avez compris qu'au niveau de l'eau, bah, c'est déjà en route, hein. J'ai entendu qu'il y avait des restrictions dans certaines parties de la France. Vous pouvez partir du principe que bientôt les piscines seront interdites, hein. De toute façon, ici, on en a déjà qui ont fermé. Malheureux, hein. Mais j'adore l'eau personnellement, c'est très frustrant. Enfin bon, en plus, ouais, l'eau, c'est quelque chose qui apaise aussi. On se ressource beaucoup dans de l'eau, avec l'eau, et ça, ils, entre guillemets, le savent. Donc, ils nous privent encore, là aussi, en fermant des piscines. Il n'y a pas qu'en Allemagne, à mon avis, en France, ça va sûr. Ils nous privent aussi d'un moyen de nous sentir bien, de nous sentir mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils pensent vraiment à tout, et ils cochent. Ils cochent. Hein? Donc, il n'y a pas que les questions d'alimentaire ou de santé, parce qu'évidemment, on a besoin d'eau, mais il y a aussi des questions de bien-être. Donc, ils vont nous en priver de plus en plus. Alors, oui, j'étais en train de dire que on a des piscines confirmées. Il y a des piscines qui vont certainement être interdites en France. J'ai vu qu'il y avait des restrictions d'eau. Moi, j'ai une personne de ma famille qui m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de, effectivement, de prendre de l'eau du robinet à certaines heures. Enfin, bref. Ça va devenir de pire en pire, hein. Donc, voilà, je vous préviens. Au niveau de l'eau, il y a un petit livre dans ma communauté qui a été fait par un survivaliste. Hein, je passe son nom, enfin vous regarderez. Le livre coûte 26 euros. Moi, je ne perçois aucune commission. Hein, comme j'ai toujours, je fais ça pour vous, pour tout le monde, pour aider. Parce que c'est tout ce qui va nous rester, hein, l'entraide, l'information qui doit circuler, les idées que l'on va donner entre nous, afin de permettre de se préparer au mieux. Donc, je disais, ce petit livre donne toutes les méthodes connues et les méthodes testées pour justement collecter de l'eau, filtrer l'eau. Donc, n'attendez pas, mais commencez. Même si vous n'y connaissez rien au niveau technique, ce livre s'adresse vraiment à tous les doomies, comme on dit, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas très douées et dont je fais partie, pour justement pouvoir avoir toujours suffisamment d'eau pour vivre. Ne vous laissez pas piéger parce que là, c'est très clair. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. La deuxième chose, c'est évidemment pour les personnes qui, quand même, ont un certain budget. Voilà, moi j'avais économisé, hein, enfin bon.
Je donne beaucoup pour les animaux, mais je travaille aussi beaucoup. Et évidemment, j'économise, donc j'avais que ces matières-là pour le générateur d'eau, que je vous recommande, qui fonctionne très bien, que j'ai depuis 6 mois, qui me donne suffisamment d'eau par jour pour mes besoins. La consommation, c'est, me semble, plum, plum, c'est pas de bêtises, 500 watts, il me semble. Vous irez regarder, de toute façon, je vous mettrai les liens en dessous. Même si ça consomme de l'électricité, l'électricité, on en aura toujours besoin, il faut pas se voiler la face. Donc autant cibler comment vous allez utiliser votre électricité. Si vous l'utilisez pour un générateur d'eau ou pour un frigo, bah, c'est déjà pas mal, hein. Donc vous avez déjà finalement le nécessaire, hein. Et puis le reste, bah, vous pouvez utiliser pour les sources de chaleur et tout, les cheminées, etc., etc. Bon, là on était sur l'eau, la nourriture. Alors, on va quand même continuer un petit peu l'histoire. Quoique j'en ai déjà beaucoup dit, puisque finalement la finalité donc des disputes dans la population et du stress, on avait vu très 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 clairement que c'était cette carte-là. Ici, mettre une population au pas, en créant encore une fois des besoins en eau, des besoins en nourriture. Bon. Donc c'est-à-dire que là actuellement, ils sont en train de nous préparer au niveau de l'esprit à regarder donc vers une certaine direction, vers un chaos qu'ils sont eux, en train eux-mêmes de mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc je vais vous faire d'autres vidéos par rapport à d'autres petites techniques de manipulation. J'espère que ce petit format vous plaît. J'ai toujours eu mauvais caractère, quoi. En tout cas, on me le dit depuis l'enfance. Mais quelque part, le fait de toujours en train de regarder, chercher la petite bête et voilà, de voir tout de suite, de mettre le point sur ce qui va pas, parce que je suis comme ça. Donc d'avoir mauvais caractère quelque part, eh bien, je peux vous dire que ça m'a aussi beaucoup aidé à voir ce qui n'allait pas. Donc il faut garder l'esprit critique. Il faut garder l'esprit critique. Il faut garder l'envie de se battre, l'envie d'avoir mauvais caractère. Donc de ruer dans les brancards, en gros, c'est ça, hein, de ruer dans les brancards et de refuser de se faire réduire à ceci, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que lui, il veut, il est sorti. Hein. Bon, ok. Alors, avant de vous quitter, donc dernier petit conseil pour nous, je vais demander à ce nouveau jeu. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous dire ce que c'était, j'allais chercher le paquet, enfin l'emballage, pardon. Alors, un dernier conseil pour nous, puis après je vous ferai une autre vidéo. Alors, mélancolique, hein, c'est pas vraiment un conseil. Non, pas vraiment, non. J'avais demandé un conseil, là il me dit qu'il ne faut pas sombrer dans la mélancolie, d'accord. Attendez, je me reconcentre. Obstacle. Bon, oui, on va avoir des obstacles. Alors, ça, c'est les alliances. Alors, c'est vrai que généralement, c'est une demande en mariage, c'est vrai. Mais c'est aussi une alliance. Donc là, je dirais bien qu'il ne faut pas céder à la mélancolie, on va dire ça dans l'autre sens. Il ne faut pas avoir peur par rapport aux obstacles, mais ce qui est très 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 important, et c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut continuer à se relier, à faire des alliances. Vous voyez, la rose, c'est les bonnes intentions. C'est vrai que le jeu est un peu sombre, mais je trouve quand même très très parlant. J'espère qu'en tout cas qu'il vous plaira. Donc continuez à se relier entre nous, à communiquer, parce que ça va être, je crois, vraiment peut-être la seule façon que l'on va avoir de s'en sortir par rapport à tout ce qu'ils vont nous mettre sur le dos. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à bientôt.